Welcome back. Yes, he's here. Yeah. Le talented artist Paypal. Je vais te laisser, tu vas t'introduire toi-même pour les téléspectateurs de Top 10. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Moi, c'est Paypal, un ex-élément du groupe Poétique Justice. L'album Faut État et Pourquoi. Toi-même, tu sais, high, ready, Top 10, move, ready. Aïe, et donc tu as commencé, comme tu viens de parler du groupe Poétique Justice, vous avez commencé en 97. Bien sûr. Et qu'est-ce qui t'a fait d'abord intégrer le groupe? Pourquoi tu as décidé d'abord de former un groupe? Bon, en fait, moi, j'étais à l'école quand on faisait la 7e année avec les amis. On s'est décidé de faire la musique entre potes. Et quand mon ami Fof, il faisait la 7e 1, moi, je faisais la 7e 2, on s'est décidé de faire un groupe de rap dans l'école qui peut avancer, quoi. On a essayé, ça donnait. Et puis, le jour d'aujourd'hui, on s'est battu, on s'est donné les mains jusqu'à ce qu'on a sorti des albums. On a au moins minimum sorti 2 albums ensemble. Et donc, parlons de Poetic Justice. Yeah. Quelle était l'idéologie de Poetic Justice? Pourquoi vous avez créé Poetic Justice? En fait, on a créé Poetic Justice pour véhiculer les messages. Quel genre de message? Les messages de la poésie, de l'amour, de la paix, et puis un peu de la corruption. Et puis, c'est un peu de ça, quoi. Donc, au fait, Poetic Justice, vous êtes engagé à travers votre musique, bien à sûr, parler bien sûr, de, bien sûr, des mots, bien sûr. De ce qui se passait dans la société en ce temps-là, effectivement, quand vous étiez jeune, n'est-ce pas? Effectivement, il y a même mon ami qui a chanté le son « Pourquoi » dans l'album, dans notre deuxième album, et ça a beaucoup cartonné. Le son « Pourquoi » ? Pourquoi ? Ça parlait de quoi ? Pourquoi ? Et pourquoi il y avait tas de questions posées sur la corruption, sur l'injustice, et dessus. Et c'est un son qui a beaucoup cartonné. Et je me rappelle quand on venait de sortir aussi notre premier album, l'album Faut État, ça aussi, ça a un peu cartonné. Et ça l'album Faut État, ça parlait de quoi? Parce que Faut État, ça veut dire l'Europe, non? Oui, l'Europe, ça parlait un peu de l'immigration clandestine que nous connaissons tous. Et qui est un grand problème. On voit des jeunes aujourd'hui qui veulent aller en France, aux États-Unis, par la mer. Si je comprends très bien, ce n'est pas la solution. Tu vas aller en Europe? Il faut avoir des visas, des PEPA pour rentrer là-bas. Mais quand tu passes par l'eau, tu seras noyé, tu vas mourir là-bas, mon frère. Big up. Et donc, c'est bien de voir des artistes consciencieux qui parlaient de ce qui se passait dans leur société. Yeah. Donc, tu dis, vous avez fait combien d'albums? On a fait deux albums ensemble. Avec le groupe Poétique Justice. Yeah, yeah. Et après, tu as décidé de te retirer du groupe. Bien sûr. Donc, explique-nous un peu cela. En fait, ça aussi, ce n'est pas tellement comme ça. Je me suis retiré dans le crew, c'est comme s'il y a des querelles ou quoi. Il n'y a pas eu de dispute. Le jour d'aujourd'hui, je cherche à avoir ma carrière solo. En fait, le groupe Poétique Justice, c'était pour nous comme une école. Un apprentissage. Voilà, là où tu peux venir apprendre quelque chose et partir, récolter les fruits après, quoi. Donc le jour d'aujourd'hui, c'est ce que je suis en train de voir. J'ai commencé ma carrière solo. Et bientôt, je vais rentrer en studio pour faire un album et ça va sortir. Donc, tu as fait combien d'années avec le groupe Poetic Justice? Au moins minimum 7 à 8 ans comme ça avec le groupe Poetic Justice. Et donc, un jour, on ne sera pas étonné de vous voir encore revenir ensemble et faire à nouveau de la musique. Bien sûr. Donc, c'est amical. Bien sûr. N'oubliez pas que les Poetic Justice, c'est mes frères. Ok. En fait, Poetic est devenu, c'est comme une famille. On est des frères, on se connaît jusqu'aux dents, quoi. Donc, on est toujours ensemble. En se coutant, on s'appelle. Jusqu'à aujourd'hui. On et se il tient. T'encourage dans bien ce que sûr, tu es en bien train sûr. Tout ce que je fais comme genre de musique, je viens les proposer. Et s'ils arrivent à aimer, je le fais. Et d'accord. Aussi, on communique ensemble. Ils me font kiffer leur truc, quoi. C'est important. Donc, il y a toujours cette fraternité. Il y a la symbiose, quoi. Cette solidarité entre vous. Yep. All right, you heard it here, you know. Yep. Paypal, big up. J'ai dit Paypal. Big up, yeah man. Yes, former member du groupe Poetic Justice, il vous a expliqué son parcours avec ce groupe. Here, chilling like a villain with Paypal, you know. Il nous a parlé, il vous a parlé de ses débuts avec le groupe Poetic Justice. Yeah. Comme vous a dit, c'est toujours, il maintient toujours des liens de fraternité avec les autres membres du groupe, mais maintenant, il a débuté sa carrière solo. Yeah. Donc dis-moi, tu sais, c'est plus facile, moi je me dis, c'est toujours plus facile de travailler avec un groupe parce que tu te dis la responsabilité de la réussite ne dépend pas seulement de toi. Yeah. Maintenant, là, tu rentres dans une autre arène, solo artiste. Pourquoi tu as pris cette décision?
Bon, en fait, moi, je dirais que je vise mes intérêts, quoi. Le monde est lié par les intérêts pour le moment. Est-ce que vous voyez? Pour le moment, je vois que si j'évolue en solo, je pourrais aller en avant, quoi. Okay. Si je comprends très bien. Pour le moment, c'est pour cela que je me suis décidé d'évoluer en solo. Je crée mes trucs et ça passe, quoi. Je ne me dérange pas dans la tête. Et donc, ça fait combien de temps que tu as commencé ta carrière solo? Ça, à peu près quelques 4 ans comme ça. Quelques 4 ans. Quel a été, tu sais, dans tout, il y a les hauts et les bas. Quel a été le plus bas des bas que tu as rencontré? En fait, c'est que la plus grande difficulté que tu as eu à rencontrer. C'est ce que je voulais dire. Je voulais que j'ai un bon manager. Quand si j'ai un bon manager, ça peut aller. Tous les artistes guinéens, c'est ça leur problème actuellement. Les artistes guinéens n'ont pas de manager. S'ils ont de bons managers, ils peuvent en profiter de partir loin. Donc mais tu as eu une mauvaise expérience avec ton manager? Bon, pour le moment, je me débrouille de faire mes trucs à moi-même et je bouge dans les trucs avec des frères, des amis avec qui je me connais longtemps dans le showbiz. Oui, mais tu sais, c'est important que les artistes comprennent. Yeah. C'est du travail. C'est du business, comme tu as dit. Yeah. C'est toi l'artiste. Yeah. Toi, tu te soucies de faire les morceaux et tout. C'est ça. Mais tu as besoin du manager. Bien sûr. Tu as besoin du producteur. Bien sûr. Tu as besoin de la personne qui va faire la promotion de toi l'artiste. Yeah. Tu as besoin de toute une équipe, au fait. Yep. Yep. Donc, quand tu évolues comme ça, tu restes toujours dans l'informel. Yeah, Il faut que ce soit formel pour pouvoir atteindre. Mais j'espère que quand je pars en solo là, je ne me pose pas de difficultés, quoi. Pour le moment, je sais que c'est le problème du côté manager. Mais j'espère que ça va aller. J'espère que ça va aller. Inch'Allah. Maintenant, quel est le high des highs? Quel est... Le high des highs, je suis sur mon album. Et bientôt, je vais rentrer en studio et je vais le poser là-bas. C'est un album qui se comporte de 10 titres jusqu'à 11, 12 comme ça. Et j'espère que je vais l'amener très bientôt pour mon public, quoi. Alrighty, donc... Let's go back to the calendar. Nous allons revenir tout à l'heure et nous allons parler de ton album. En attendant, vous savez ce que vous pouvez faire. Vous pouvez envoyer vos SMS au 628-51-01-51. Vous pouvez nous suivre aussi sur tous les réseaux sociaux. Yeah. Facebook, Instagram, Twitter. You know, we everywhere because that's how we do. Et aussi notre site web www.top10webtv.com. This is your show Top 10. C'est notre invité aujourd'hui. PayPal dans ce studio. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'album sur lequel tu travailles, 10 titres. Yeah. L'album va parler de quoi? En fait, l'album parle un peu de tout. Ça parle de l'amour, ça parle de la pauvreté, ça parle de la corruption. En fait, c'est quelque chose que le public va aimer, quoi. Je suis en train de me battre pour le mettre en place, mais ça vient bientôt, Inch'Allah. Ça, c'est dans les bacs, quoi. C'est dans les bacs. Yeah. Ok, et donc, dans la préparation de cet album, tu vas travailler avec qui? Il n'y aura que toi sur l'album ou bien tu as l'intention d'avoir des invités? Ok, bien sûr, ça aussi, c'est bien. Je vais avoir des amis, bien sûr, dessus, mais la majeure partie, c'est moi qui vais le faire. Après, je vais appeler des featuring. Comme tel que avec des frères Poetic Justice, okay. Et Baluza, okay. Et Instinct Killer. Okay. C'est à voir, quoi. On est en train de voir et avec la structure, on sera dispo dans quelques temps, quoi. Mm-hmm. Yeah. Okay. Et donc, tu dis que tu vas parler de la corruption, la pauvreté, c'est-à-dire les maux qui gangrènent ton pays. Yeah. Quand tu penses à ton pays en ce moment, qu'est-ce qui te fait le plus mal pour la Guinée? Vraiment, ce qui me fait du tout mal, les jeunes souffrent. Il y en a qui ont fini d'étudier. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont pas là où travailler. Et ça me touche beaucoup. Et il y a la pauvreté aussi qui triomphe partout. Et je me demande dans la tête aussi, cette maladie qui est venue ravager notre continent, Ebola. Tu as vu? Donc, tout ça là, me fait mal. Je ferai... appelle aux autorités de faire face à la jeunesse aussi. Ils demandent tous ça pour évoluer. Il faut voir les autres pays tels que le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire. Ils sont tous un peu, tu vois. Donc nous voulons que la Guinée aussi, on est ready, nous les jeunes Guinéens, on est ready de faire comme ceci. Mais si on voit ceux qui sont devant et ne veulent pas céder la place aux gosses, ça ne peut pas aller. On est tous ensemble. C'est pour cela qu'on demande aux autorités de venir à l'aide de la jeunesse pour qu'ils puissent s'en sortir, quoi.
tout à fait, tout à fait. Tu as lancé un appel aux autorités et c'est tout à fait normal parce que c'est eux qui gouvernent le pays. Maintenant, quel appel tu vas lancer à cette jeunesse, tes confrères? Ce que je vais dire à mes frères aussi, c'est de ne pas s'exhumer, de ne pas sortir dans la rue à chaque moment. Il faut penser aussi à l'avenir. L'avenir est là. Il faut toujours chercher à avoir progressé aussi. Il ne faut pas que vous sortez pour casser les trucs. Ça va nous retourner en arrière aussi, quoi. Donc, ce que j'aimerais vous dire, en tant que jeune, soyons sages. Et puis, il faut se patienter, quoi. Quand tu te patientes, la vie, tu le sauras, quoi. C'est ça. Un très bon message de la part de notre artiste PayPal. Et franchement, je t'encourage. J'espère que ton message arrivera et du côté des autorités et du côté de la jeunesse. C'est important. Moi, je dis toujours, c'est unis et tout ensemble que nous pourrons vraiment faire avancer ce pays. J'aime ça. J'aime voir des jeunes engagés. Comme toi. Et c'est important. C'est important. On doit tous donner pour que ce pays puisse émerger, se développer et que ce soit une Guinée pour tous. À part que ça, on est venu dans ce monde pour donner un fruit, quoi. Donc, nous tous, on est des jeunes. Il faut qu'on pense positivement dans la tête. Ici, c'est notre pays. Il y a notre papa ici. Il y a nos mamans ici, nos grand-mères, il y a les enfants, il y a tout le monde ici. Donc, on doit se donner la main pour faire bouger le pays, non pas le gâter, quoi. I like that. Yep. I like that. Then, you know, nous sommes là avec l'artiste lui-même, PayPal, qui avait, you know, des messages importants, des messages conscients à faire passer à tous ses confrères. Et vous, très chers téléspectateurs. Donc, PayPal, tu as un petit sample de la musique sur laquelle tu es en train de travailler. On peut avoir un petit freestyle pour voir à quoi on peut s'attendre. Bien sûr. C'est top 10, hein, nous. Mais on est ensemble, ready. Donc, vas-y. Wona mati indege, gere raso gibori ma chechema. Wona mati indege, wuliga fili gibori ma chechema. Wona mati indege, gere raso gibori ma chechema. Wona mati indege, wuliga fili gibori ma chechema. Bas ginenu, ot ginenu la, limon sembegbo. Mwen ginenu gine foresera, limon sembegbo. Wona wombele raso mbo. Top 10, toi-même tu sais, PayPal, ready? Yeah, that's good. Yep. C'est un très bon message. Yeah. Et aussi, tu nous as envoyé une vidéo que tu as faite avec Le groupe Poétique Justice. Le groupe Poétique Justice, ça s'appelle quoi la chanson? Le son, ça s'appelle Kanoubelement. Kanoubelement, l'amour c'est dur, yo. L'amour c'est dur. Love. This is an extrait, de la vidéo de Poétique Justice, Kanoubelement. Et après, you know, we're gonna come back. He's still here. Yeah. Check it out. Big up. Je pense à tes caresses, l'ego de ma jeunesse. Si t'as pas les caisses, et moi mes romans fesses. Même si par la pièce, elle qui fait des gestes. Oh ma gueule en blesse, je viens chez toi en veste. C'est de toi que je m'adresse, je pense à tes caresses. L'ego de ma jeunesse, si t'as pas les caisses. Et moi mes romans fesses. Allô chérie, c'est comment? T'as le dos de ma blessure, la petite, ce que tu me fais subir. Tu viens plus chez moi, je te vois pas, tu m'appelles plus ou quoi? Mais je suis à la répétition, mais c'est quand? Ouais, c'est tout le temps ça, quand t'as un concert, t'as des répétitions. Mais c'est quoi ma place chez toi? Tu as une place spéciale dans mon cœur, chérie. Donc aujourd'hui, tes appels à la répète, je passe la maison. Ouais, ben si je te vois pas, moi je me casse, hein. Very hot video, yes, ladies and gentlemen, we are here avec PayPal, vraiment un artiste très conscient, et merci pour le message que tu as fait, ça m'encourage, ça me fait plaisir quand je vois des gens comme toi, et moi, je suis en train de travailler sur un mouvement que j'appelle, je suis guinéen, et c'est un mouvement social,
Et je pense que toute la Guinée est concernée parce que nous sommes tous Guinéens. Les Guinéens, ouais. Et l'objectif, c'est vraiment de s'impliquer, de s'impliquer à ce que vraiment on puisse changer ce pays. Et je dis que nous sommes toujours responsables personnellement des actes que l'on pose. Je ne peux pas te forcer à faire quelque chose que tu ne veux pas faire. Donc c'est pour ça que tu dois prendre responsabilité et tu dois te dire, moi, Diaka Camara, je ne participerai pas à faire ça. Moi, Diaka Camara, je vais me lever et je vais vraiment lutter pour unir ma Guinée. C'est ça mon combat. Parce que encore une fois, une personne peut changer le monde. Ça commence par une personne. C'est ça. Ça commence par une personne. Donc, tu vas faire partie, comme j'ai dit, le mouvement, tout le monde est concerné. Donc, aujourd'hui, tu vas regarder les téléspectateurs, tu vas te présenter et par exemple, tu vois, c'est je suis guinéen. Moi, je m'appelle Diaka Camara, je suis guinéen et je m'engage à promouvoir la paix et l'unité nationale dans mon pays. C'est ça mon engagement. Big up. Maintenant, toi aussi, à moi, tu vas t'engager à quelque chose. Moi, c'est PayPal. Je suis guinéen. Je m'engage à combattre l'injustice dans mon pays à travers ma musique. Et, ladies and gentlemen, you heard it here. PayPal s'engage à combattre l'injustice à travers sa musique. Donc, franchement, grand merci à toi. Et j'espère, nous nous sommes engagés, ladies and gentlemen. Et vous, très chers frères et sœurs, et vous, vous vous engagez à quoi? Vous vous engagez à quoi? Et donc, franchement, grand merci à toi. Merci à vraiment, vous aussi. Vraiment, appreciate it. Et j'espère que nous pourrons changer la mentalité de nos frères et sœurs. Parce que ça commence là. Tout commence vraiment, là. Vraiment, vraiment. Tout commence là. Vraiment, c'est ça. Et moi, je dirais aux Guinéens de rester dans la tête. C'est tout ça. On est tous des Guinéens. Ouais. C'est pas quelqu'un d'autre qui nous a amenés ici. On s'est retrouvés ici. On n'a pas acheté ça. On n'a pas demandé au Tout-Puissant de nous envoyer ici. Donc si on est là, il faudra qu'on s'aime, qu'on cherche à faire l'union entre nous. Tout à fait. Se battre entre nous. Aimons-nous. Aimons-nous, c'est ça. Il n'y a rien de plus beau que l'amour. C'est ça. La paix et l'harmonie dans un pays. Aimons-nous. Ma famille est votre famille. Votre famille est ma famille. On est indivisible. Pour cela que moi, PayPal, je me dis que je suis guinéen. Tout à fait. Je m'engage à combattre l'injustice dans mon pays à travers ma musique. Il l'a répété encore, ladies and gentlemen. Thank you very much. Thank you so much. Nous sommes arrivés au sommet de cette émission. Yep. Et you know, merci PayPal, franchement. Merci à vous beaucoup aussi d'être passé dans cette émission et merci pour tout pour ton message. Merci pour le combat. Merci pour tout ce que tu fais pour la Guinée, pour la culture guinéenne. Et vraiment, je t'encourage. Et on est pressé. Donc, l'album sera prêt d'ici quand? En fait, je dirais que ça vient, je ne vais pas donner la date fixe, ça vient quand même, c'est dans les bacs. D'accord, mais on va entendre un nouveau single bientôt. Bien sûr, les singles, ça marche déjà, j'ai fait quelques sons déjà qui sont sur le terrain. Comme ça cool. Comme Temedi. Temedi. Yep. Donne Temedi, c'est comment ça? Temedi, itanana fama, temewo, Temedi, konona mayon metanama. Temedi, itanana fama, temewo, abarabu, temedi, nyami toma, nikili telephone, nyamatongoma, nusiga bangi infore nan limana, konei tan, pop. Temedi là, c'est quel Temedi qui te fatigue comme ça? En fait, c'est quelque chose de spécial, c'est réservé, que j'ai chanté, mais c'est pas pour quelqu'une. C'est pas pour quelqu'une. Tu as vu quoi? C'est quelqu'une qui se sent dedans. Quoi. Qui on se sent dedans. Mais il n'y a pas de quelqu'une en ce moment dans la vie de PayPal. Si, bien sûr. C'est bien sûr, bien sûr. Ça reste hors antenne. Hors antenne. Big up. Ah, hors antenne. Tu veux pas nous dire. Donc, je suis désolée. Ladies, you know, il est en couple, n'est-ce pas? Yep, tu le dis si haut et fort. Bien sûr, il est en couple. On love. I like that. Big up à toi. Yep. Alrighty, donc je vais te laisser partir. Mais avant de te laisser partir, un dernier message à tous ces téléspectateurs. Bon, en fait, je fais un maximum de big up à tous les téléspectateurs qui nous suivent en direct. Moi, c'est PayPal, je continue toujours de vous dire. Et je fais un maximum de big up pour ma jolie dame qui est à côté de moi.
Et maximum de big up pour mon caméraman qui est là-bas, Willy. Mais je te jure, les gens adorent Willy. Tous les invités qui passent ici font un big up. L'émission top 10 aussi, quoi. Big up. Thank you, thank you, thank you. Yep. Alrighty, donc tu vas présenter le number one vidéo. Yeah. Tu es prêt? Bien sûr. Tu penses que tu peux le faire? Tu penses que tu as ce que tu as ce qu'il faut pour le faire? Bien sûr, je vais le présenter avec le talent. Go ahead. Et toi-même, tu sais, ici, c'est Payfal, ex-élément du groupe Poetic Justice. Le son qui va venir, ça, toi-même, tu sais. Christ Brown. Le son, le titre, ça s'appelle Zéro. Check it out. Big up.